Pendant de longues semaines, Muriel Robin s'était montrée très discrète concernant l'affaire Pierre Palmade. Mais le 20 mars dernier, l'ami de l'humoriste et comédien avait brisé le silence au micro de BFM TV. Je pense aux victimes. Elles sont encore à l'hôpital, elles ne sont pas encore rentrées. J'espère que la justice fera ce qu'il faut pour les... Je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit. Rien de ce qu'ils vivent ne peut être adouci, avait-elle poursuivi ensuite, semblant chercher ses mots. Et j'aimerais garder mon sourire, donc on va parler d'autre chose. Alors que plus de 4 mois se sont écoulés depuis le terrible accident de la route impliquant Pierre Palmade, celui-ci s'étant déroulé le 10 février dernier, Muriel Robin fera bientôt son grand retour sur les planches. Muriel Robin au théâtre avec Pierre Arditi ce vendredi 16 juin, Jean-François Guyot, un journaliste de l'AFP, a publié un tweet dans lequel on apprend que l'humoriste, actrice, réalisatrice et metteuse en scène jouera dans Lapin, une pièce de théâtre de Samuel Benchetrit. Dans cette œuvre, l'épouse d'Anne Le Nain, qui a été révélée au grand public en tant qu'humoriste, grâce à l'émission La Classe, ainsi que dans un spectacle solo en 1988, jouera aux côtés de Pierre Arditi. Les comédiens se produiront au sein du théâtre Édouard VII, situé dans le 9e arrondissement de Paris, à partir du 21 septembre prochain. L'occasion pour Muriel Robin de tourner la page après le dramatique accident de la route impliquant Pierre Palmade. Le 9 mars dernier, nos confrères de Paris Match avaient publié un article dans lequel il était écrit que la comédienne avait adressé une lettre à son ami peu de temps après le drame. Selon les informations du magazine, elle lui aurait dit que tout cela était de sa faute, Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Guillaume Gaffier au Best Images.